Alors, je ne voudrais pas qu'on tombe dans un travers ici. L'amour doit tout pardonner. Et je voudrais retenir seulement cette phrase-là. Écoutez-la bien, mes frères et sœurs chrétiens, pour notre instruction et notre bénédiction. La même note de l'évangile, la même parole de Jésus est dit différemment dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Et justement, ça revient à dire ce que je vous dis là. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit... Mais je prends l'évangile de Luc avant, c'est mieux. Si ton frère a péché contre toi, contre moi, m'a insulté, m'a bafoué, il a fait ce qu'il a voulu, mais contre moi, ça ne met pas en cause la structure mission, ça ne met pas en cause le décalage, ça ne met aucun danger pour notre mission. Il me met en cause à moi, il a péché contre toi. Alors moi, ça peut être vous tous, hein, attention. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Le faire passer devant la direction, bien sûr. Ah non, ah non. Non, tu le pardonneras 7 fois, 77 fois, 7 fois, par jour. Ah bon, il n'y a pas de direction, là, il n'y a pas de sanction pour lui. Non, si t'as insulté, si t'as juré, si t'as bafoué, si t'as fait un œil bleu, ben tu le pardonnes 7 fois, 77 fois, 7 fois. Ah bon? Ah bon, ça c'est la règle. Mais si quelqu'un a péché, Matthieu, différemment, et qui est un problème pour l'Assemblée, pour l'Église, un scandale de cassure, de division, de zizanie, que faut-il faire? Jésus ne dit pas, vous le pardonnez cette fois, il a dit, il faut le reprendre, là. Va et reprends-le. Ça va pas, mon frère. Tu viens à travers, tu détruis l'Assemblée, l'Église ou le groupe, toi, là. Si t'écoutes pas, prends avec toi un frère. Vous voyez, Jésus change son verdict, parce que c'est deux faits différents. Et si t'écoutes pas, dis-le à l'Assemblée. Et si t'écoutes pas, ben chasse-le, considère-le comme un païen, un publicain. Vous voyez qu'il y a une règle dans la Bible et que tout n'est pas mélangé. Si demain on vous insulte à vous et que la mission n'est pas en cause, que votre église n'est pas en cause, que votre groupe n'est pas en danger, alors pardonnez cette fois, 77 fois, cette fois. Mais si demain votre église est détruite, votre mission est détruite, alors vous faites la règle de Jésus-Christ. Il passe en commission, il passe devant la direction, et s'il faut, il est sanctionné. Ça c'est la règle de Jésus-Christ. Et il faut que nous vivions cette règle de l'évangile. Alors j'ai voulu vous dire ça, non pas pour dire un mot, mais pour dire que sous le prétexte de l'amour, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça fait 52 ans, 54 ans bientôt. Enfin 52 ans, parce que les premiers baptêmes ont eu lieu à Brest en 52, 2004, 52 ans. Mais ça fait 54 ans que le miracle a eu lieu du frère de Mans, Nazino. Jamais un serviteur de Dieu, même s'il fut dur ou difficile, n'a osé dans nos assemblées, dans nos églises, notre mission, prendre un fouet et puis frapper sur les croyants. Vous n'avez jamais vu ça encore, que je sache. Vous savez, le seul qui l'a fait, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas l'apôtre Pierre. C'est notre Seigneur Jésus qui l'a fait. Devant le désordre qu'il y avait dans le temple, dans la maison de Dieu. Hein? Lui qui était l'agneau muet, il a dit, oui, moi, faites ce que vous voulez, clouez-moi, pardonne-leur, Père. Mais la maison de Dieu, j'accepte pas. J'accepte pas le compromis, le désordre, la zizanie dans la maison de mon Père. Alors, différence, faisons une différence entre l'amour qui nous permet de supporter tout, de pardonner nos frères, et aussi la règle biblique qui permet de bien conduire le troupeau et de ne pas accepter n'importe quoi. Vous l'avez compris, chrétien? Pour ne pas tomber dans le travers. Un pasteur ne peut pas être mou, tendre, et ne peut pas être dur. Ça ne veut pas dire rien, ça. C'est des travers, de toute façon. Si on est tendre ou si on est dur, c'est des travers. L'un et l'autre, c'est négatif. Un pasteur doit être seulement évangélique et ça suffira. Voilà la différence. Évangélique, ça suffit. Et le chrétien doit être pareil. Puis il faut dire, on agit souvent, si Seigneur que Dieu me pardonne, par rapport au visage qu'on a devant soi, des fois. Alors ça, c'est la misère. Hein. Il y a des frères, vous savez, qui pardonnent tout. Sans s'inquiéter de la règle de la Bible. Ils laissent le fruit pourri dans la corbeille, ils vont faire pourrir tout le monde. C'est pas évangélique. Pas évangélique. Il faut pardonner si c'est pour nous, je le redis bien, mais pour la règle du Seigneur, il faut agir en conséquence. Alors il y en a qui sont plus spirituels que Jésus. Ils pardonnent tout. Ça, c'est de la faiblesse. Et c'est pas de la droiture. Il y en a par contre qui condamnent tout. Ils savent pas à mort, à mort. Ben ça va pas non plus. C'est pas l'évangile, ça, hein. Il y en a qui prennent parti pris. Ah oui, mais c'est le cousin de ma cousine. Alors, il faut faire une petite souplesse. Hein. Puis l'autre, c'est un étranger. Un étranger, allez, même signature, à la croix. Il y en a qui prennent des partis pris, ça dépend qui c'est. Hein.
Alors, lorsqu'on va parler avec un frère, on va lui mettre un sac sur le dos, sur la tête, on ne le verra pas, on ne jugera pas le frère, on jugera le cas simplement. Il y a des hommes qui se prononcent par rapport au visage et pas par rapport au cas. Eh bien, nous ne jugeons jamais un visage, nous. Nous discutons pour un cas. Vous comprenez la différence qu'il y a ? Alors, il ne faut pas tomber dans les travers, il faut être biblique.